Histoire de cancer. Dans un corps retranché, dans le haut du poumon, des cellules sont cachées, noires comme du charbon. Elles guettent le moment où elles pourront frapper. Elles attendent le froment qui les fera grimper. Et elles s'installent et elles se gavent de tout ce qui passe. Dans le coin, elles s'entassent. Et d'un malin plaisir, une douleur me fait fléchir. Dans le dos, un couteau. Dans mon âme, un doute. Oh, une épreuve m'attend. Je fais quoi maintenant? Je baisse les bras, je renonce, j'abdique alors à cette annonce. Il faut faire face à cette tumeur. Me laisser faire n'est pas mon humeur. Cette coquine n'a pas choisi le bon poumon où faire son lit. Le terreau cru fertile est en fait très stérile. Et la force du groupe fait déborder la coupe. Un coup de chimio, un coup de radio, bien que ce ne soit pas très bio, commence à ébranler ces cellules assemblées. Et mon corps de se dire qu'il est temps que cette ire, concentrée depuis 7 ans dans mon corps comme Satan, cesse de me ronger, cesse de me plonger profond dans les affres de la rage comme une farce. De combattre cette folie, voilà ce dont j'ai envie. J'y mettrai mes énergies jusqu'à mission accomplie. Après la chimio, c'est le couteau. La chirurgie, c'est pas joli, mais le résultat étant positif, c'est aidant. Partout, c'est la nécrose dans mon petit poumon rose. La tumeur est partie, mais quelques cellules aussi pour un périple de survie, fonder une colonie. Par un beau jour, dans mon cerveau, elles s'installèrent, c'est pas nouveau. Tout cela se fit à mon insu. Me croyant guéri, je n'en ai rien su. Mais un beau soir, comme dans les vues, mon assurance est disparue. Des tréfonds de la terre, une secousse délétère s'est emparée de moi, me laissant las comme mort. Ne cédant pas à la panique, cette peur-là, je la nique. Je me calme, je me rendors, j'en oublie tous mes remords. Au lever du soleil, le lendemain, il fait moins sombre, c'est plus serein. C'est le temps d'appeler de l'aide, la solitude est bien trop laide. Et on repart à l'aventure, à pied, à cheval ou en voiture. On mobilise toute la voilure pour attaquer cette imposture. La colonie est assaillie. La petite boule est envahie, sous le coup du scalpel, le choc est sans appel. Et le soir même, tout répond, de la rivière franchit le pont. Il est si merveilleux de voir qu'après tout, il reste espoir. D'un jour meilleur, une rémission, je continue mon émission. Il faut que je dise à mon aïeul, « That's right, folks, don't touch that dial. » Et voilà l'histoire épique d'une lutte dite épique qui m'opposa, moi, un cancer, à ce qui s'avéra être un cancer. Jérôme Descaries, samedi 20 août, 3 h, Saint-Paul d'Abbotsford.